Hey les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek. Kamehameha. Yo tout le monde, Sofiane le Geek. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends où on va partir en PVP pour aller frapper et dégommer du Vegeto Blue Ultra. Voilà, je l'ai pas, j'ai le seum. Je me suis fait shaft de fou en ce moment, franchement les amis, hein, sur le jeu DB Legends. C'est le shaft ultime, hein, le Hit Ultra 80 000 cristaux. Je l'ai pas eu. Là, le Vegeto Blue Ultra, je l'ai toujours pas eu. Le Gamma One, Gamma Two, je l'ai pas eu. Et en ce moment, c'est vraiment une catastrophe. Dites-moi vous aussi dans l'espace commentaire si vous êtes shaft ou non, ou si vous avez réussi à choper justement le Vegeto Blue Ultra. Donc, pour me venger, eh bien, on va aller le dégommer, on va aller le cogner, on va aller l'envoyer à la cuisine. Dès que je vais avoir des Vegeto Blue en face de moi, je vous mettrai les games. Et on va les frapper fort. D'accord les amis, max de pouces bleus en mode Gameplay Lama. Et puis c'est parfait, on a un Vegeto Blue 8 étoiles, petit. Viens voir papa, viens me voir. Ok, allez let's go. Du coup, j'ai fait une team avec 3 ultras. Donc là je vais commencer avec Rosé, le Kid Buu et ensuite le Gogeta Blue Ultra. Donc là, on a un Vegeto Blue 8 étoiles en face. Alors attention, petite astuce les amis. En ce moment, j'ai remarqué tous ceux qui ont Vegeto Blue Ultra, ils font une erreur, tu vois, une pseudo-erreur. Vous savez qu'en début de game, du coup, ils te lock l'esquive, vous ne pouvez pas esquiver. Et souvent, bah du coup, ils font tête baissée avec des strikes. Je vous conseille, dès le début de game, de switcher de personnage, comme ça ensuite vous pouvez enchaîner. Je vais essayer de vous montrer s'il le fait. Eh ben il le fait, voilà, voilà, ça a illustré mon propos. Bien comme il se doit. Ok, donc là, la cover de Gohan Beast. On passe à travers les blasts, monsieur. Et là, ça va faire mal. Hein. Là, le Kid Buu Ultra. Pop. Ok. On va faire une spé. Et on t'envoie dans les jupons de ta maman. Voilà. Hein. Voilà. Voilà. Ramène-moi ton... J'ai une verre, ça, c'est vraiment pas mal. Parfait. Hop, on va la faire tout de suite. Comme ça, je peux attaquer. Je vais switcher sur le rosé, comme ça je serai pas à contre-type. Voilà. Viens ici, là. Viens ici. Viens ici. Voilà, viens. Viens ici, on t'a dit. Cuisine pour toi. C'est la cuisine pour toi. Voilà. Parfait, perfect dodge. Tiens, mange. Ok, ramène-moi le tag. Voilà. 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 On tue. On tue, on cherche pas à comprendre. Ça fout le camp. Est-ce que vous ressentez le seum et la haine que j'ai eu? Tu vois? Pem! 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 Cuisine! La cantoche, elle est ouverte pour toi. La tartine Nutella avec. Allez, hop. Tiens, parfait. Allez. Allez, allez, allez. Parfait, monsieur. Voilà, allez, s'arrache, quitte cuisine. Voilà, on rigole pas avec toi. On rigole pas, Vegeto Blue. Cuisine. Tu veux pas venir? C'est cuisine. On sera gentil avec toi quand tu arriveras à venir chez moi. Pour l'instant, tu n'arrives pas. C'est cuisine. La tarte à la fraise, cuisine dans les jupons de ta maman. Ouh là 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 là. Vegeto Blue 10 étoiles. Enfin, parce que depuis tout à l'heure, là, voilà, je faisais des games. Mais là, il y a un Vegeto Blue 10 étoiles. Oh purée. Oh purée, va pas falloir bégayer des genoux, là. Alors là, par contre, là, 10 étoiles. Pa. Mes frères, il a 10 étoiles. Je n'ai même pas une demi-étoile. Comment ça se fait? Comment ça se fait, frère? Ok, avec le Gogeta, le Zamasu. Ah ouais, 10 étoiles. Bon, je pense que, voilà, je vais refaire la même technique. Dès le début du combat, je change de perso pour esquiver. Tu vois, pour récupérer l'esquive direct. Je change et j'esquive. C'est ce que je vais faire. Parce que souvent, ils font tête baissée sur les strikes. Tu vois, c'est souvent ça. Donc, let's go. Voilà. Viens ici. Ok, donc là, il a mis le Gogeta. Va vraiment falloir faire attention là, parce que là, sa team là, ça va vraiment être... Oh, j'ai déconné là. Là, j'ai déconné. Bon, c'est pas grave, ça fait monter la jauge. Après, je récupérerai des points de vie. Voilà, je les récupère, voilà. Parfait. Voilà. Voilà. Let's go direct. Ok. Perfect dodge. J'ai pas d'autres cartes là. Oh là 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 là. Ok, le clash. 948. Oh. Pourquoi le clash, je le perds. Regarde maintenant. Regarde. Oh là 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 là. Oh, j'ai pas pu esquive. Oh,
Voilà, il a l'ultime là. On va mettre Gogeta, full life. 3 millions. Il devrait lui rester un petit peu de PV quand même. Je pense. 3 millions de PV quand même. Ouais, là, il doit tapoter comme un ouf. Hein. Tapote, tapote, tapote. Ah ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Wesh ! Mais il m'a buté mon Gogeta Blue direct. Oh lolo lolo lo, les histoires. Oh lolo lolo lo. Non, 10 étoiles, c'est trop. Oh non, mais il est en train de tout faire. Attends, faut que je me concentre. Oh purée. Je suis en 1v3. Je suis en 1v3. Ok. Ok. Non, mais t'es mal, mais... Kid Boost, s'il te plaît, fais-nous rêver. 1v3. C'est autant te dire, ça y est, les gars. Je pense que cette game, elle est morte. Hein. Je pense que cette game, les gars... Oh là là, Kid Boost. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ok. Oh là là, Kid Boost. Oh là là. Oh là là. Mais oui. Mais oui, monsieur. Mais oui, c'est la cuisine. Mais oui, on avait trois, on est en train de le faire. Non, non. Ok. Ok. Oh putain, il va continuer. Il a une survie au cas où Kid Boo. Il a une survie au cas où Kid Boo. Il a une survie au cas où Kid Boo. Il a une survie au cas où, c'est là où tout va se jouer. Cuisine ou pas pour le végétaux. Let's go. Me contre pas. Me contre pas. Me contre pas. Me contre pas. 10 étoiles. C'est la cuisine. C'est la cuisine. Bien sûr que c'est la cuisine, monsieur. Allez, la taloche. Et la tartine de Nutella. Hein, tu la trempes dans avec ton pain au lait. Hein, voilà. Oh, 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 oh. Voilà. Kid Boo en 1v3, les gars. En 1v3. Vous voyez un peu. Voilà. Qui a dit qu'on avait besoin de Végéto Blue Ultra, là? Qui a dit? Non, j'avoue, franchement. Incroyable, je croyais vraiment que j'allais perdre cette game. Les gars, s'il vous plaît, dites-le dans l'espace commentaire. Vraiment incroyable, 1v3 de Kid Boo Ultra. Ok, là, il y a encore un Végéto Blue Ultra en face de nous. Bah, c'est parfait, mon garçon. On va aller lui tartiner la tronche à lui aussi. Ok, donc là, voilà, je reprends les 3 ultras. On va lui tartiner la tronche également. Alors, on va faire la même technique, hein. Début de game. Voilà, je switch sur mon... perso, et puis en plus, voilà, là, comme on peut le voir, il y a juste la cover strike de Black Goku rosé, donc en soi, après, je continue avec des blasts pour éviter la cover, parce que Zamasu, il n'a pas de cover, donc, voilà, après, Zamasu, par contre, il tank, donc, voilà, let's go, on va essayer de lui tartiner la tronche, le fameux Kid Boo. Ah bah là, j'ai une carte verte, donc non, là, je vais faire la verte direct, voilà, hop, let's go, huche. On va mettre le Gogeta là-dessus. Comme ça, je me retrouve pas à contre-type. Ok, mes Zamasu. Ok. Huch. Oh là là, purée, j'ai voulu attendre. Hein. Et... J'ai pas été bon dans le timing. J'ai voulu attendre son pas de côté, tu vois, pour enchaîner, mais ça ne l'a pas fait. Oh là là, purée. Ok. Et de deux. Oh purée, il a break cover. Non, non, mais quand vous restez fond de map, on sait que vous avez une verte. On sait que vous avez une verte. Le problème, alors attention également. Là... Bah ça, c'est parfait, ça. Voilà, parfait. Tu vois ou pas? Quand je l'ai dit comme quoi il avait une verte. Alors attention à la carte verte de Végéto Blue Ultra. Ça contre les blasts et les strikes. Voilà, je vais direct... Hein... On enchaîne direct, hein, histoire de faire des dégâts. Mais ouais, attention, quand vous voyez un Végéto Blue Ultra attendre fond de map, c'est qu'il a une verte. Et ça contre à la fois les blasts et les strikes, c'est très fort. De toute façon, il est trop fort ce perso, c'est n'importe quoi. Tiens, hop, bim, voilà. Hop, on récupère l'esquive, voilà. Paf! Hop, dans les dents. Bim. Ok. Parfait, ça. Il switch ou pas? Il switch ou pas? Ah, puis il a pas switch. Bon, c'est pas grave. S'il me le contre pas, ça fera un kill au moins. Ça fera au moins un kill. Je pensais qu'il allait peut-être switcher et finalement, il a pas switch. Ça passe. Il y a un kill.
On est pas mal là. Ramène ton végétaux là. Ramène végétaux. Je vais m'occuper de lui, moi, mon garçon. Je vais te le soigner, moi, ton végétaux. Je suis médecin aujourd'hui, je vais te le soigner, moi. Ramène-moi ça là. J'ai entendu pas de côté. Oh, bien, en plus. Oh là là. Bah lui aussi, je l'ai soigné. Oh purée. Oh purée, comment je l'ai soigné, le rosé. One shot. Parfait, ça. C'est ce que j'attendais. Ok. Ok. Ok, il a récupéré de la vie. C'est pas grave. Vitesse de pioche. Let's go. Regarde comment on te le soigne. T'as vu? T'as vu comment on te le soigne? Voilà. On lui met les antibiotiques. Et let's go. C'est la fessée cul nue? Bah oui. Bah oui, monsieur. Bah oui. Tu veux pas venir sur mon compte? Bah on te montre ce qu'on fait alors. Et bim. Voilà. Terminé. Terminado. Terminada. Bon, les amis. Je délire un petit peu, hein, bien évidemment, dans ces vidéos. Non, c'est parce que, voilà, je me fais shaft. C'est pas seulement, en fait, le shaft sur Vegito Blue Ultra qui fait ressurgir toutes ces conneries là, que je suis en train de dire. C'est juste qu'en ce moment, il y a trop de shaft pour moi, tu vois, sur le jeu. Et ça devient frustrant. Hein, voilà. Alors, je sais qu'il y a des free-to-play qui se font shaft, effectivement. Mais moi, sachez que bah, tout ce que les free-to-play farm, je le farm également. Et en plus, je rajoute de l'argent également. Tu vois, c'est la double sentence, tu vois. Donc, quand tu te casses la tête à farmer et que ça tombe pas, et qu'en plus de cela, tu mets de l'argent et que ça tombe pas non plus, c'est la double sentence. Après, c'est le jeu, c'est comme ça. Après, voilà, faut pas aller non plus dans l'excès. Bien évidemment, je retesterai des invocations pour avoir le Vegito Blue Ultra, mais on va y aller à petite dose, hein, puisque forcément, les poches, frère, elles commencent à être vides. Il y a des vacances hein, qui arrivent, donc c'est compliqué. Voilà, max de pouces bleus en mode Genkidama sur cette vidéo. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo pour aller vous follow à mon compte Kick, car demain, en ce vendredi, il y aura du GTA RP, et également, allez vous follow à mon compte Instagram. Il y a un jeu concours pour gagner des cristaux. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.